vie. Adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Concernant la proposition de loi pour réhabiliter les fusillés pour l'exemple, Mathilde Panot, notre présidente, l'a dit, c'est une proposition qui a été travaillée avec de nombreuses associations, notamment la Fédération nationale de la libre pensée, qui porte cette demande depuis maintenant des décennies. Depuis 1924, la première loi qui a réhabilité des fusillés français, il y en a eu 2500 en France, c'est-à-dire que nous sommes le pays qui avons le plus fusillé, pour l'exemple, pendant la première guerre mondiale, les Anglais 330 et 48 seulement dans l'armée allemande. Et donc, ces fusillés, depuis 1924, il y a eu un certain nombre de cas qui ont été réglés. Et aujourd'hui, on a 639 personnes dont la situation est pendante et qui doivent être réhabilitées dans la mémoire collective. Sur les quatre derniers présidents, il y en a trois qui ont, d'une certaine manière, de manière plus ou moins claire, réhabilité, réintroduit dans la mémoire collective ces fusillés. Il s'agissait de François Hollande, de Nicolas Sarkozy et même de Jacques Chirac, mais c'est Lionel Jospin qui s'était prononcé à Craonne le plus fermement sur cette question. Emmanuel Macron a été, lui, très silencieux sur cette question. Il a préféré réhabiliter Pétain plutôt que les fusillés pour l'exemple. Cela dit beaucoup du personnage, et c'est bien pour cela que nous avons déposé cette proposition de loi, que nous avons souhaité l'inscrire à l'ordre du jour pour que tout le monde, en son âme et conscience, puisse se prononcer, que l'on puisse en finir avec ce kyste de l'histoire de la Première Guerre mondiale, pour reprendre l'expression du responsable du centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous souhaitons donc, par cette proposition de loi, que enfin un monument national soit érigé en leur mémoire et que leur nom trouve toute leur place sur les monuments aux morts de nos villes et de nos villages. Voilà, je vous remercie. Madame la Présidente, chers collègues, je suis devant vous ce soir pour vous proposer de rejoindre un combat parlementaire transpartisan de plus de 100 ans pour la reconnaissance d'un déni de justice dont furent victimes des soldats français, des poilus ordinaires, injustement accusés de désobéissance militaire, jugés dans des conditions iniques et exécutés par leurs camarades dans le but avoué par les autorités militaires et politiques à l'époque de faire des exemples. Qui sont ces hommes dont le spectre hante la mémoire nationale, pour reprendre les mots de M. Jean-Yves Le Naour, un des historiens spécialistes de cette question? Ce n'étaient ni des traîtres, ni des héros, mais des poilus ordinaires, à supposer que les poilus ordinaires ne fussent pas tous, d'une certaine façon, des héros. Le rapport du groupe de travail animé par M. Antoine Pro, président du conseil scientifique de la mission du centenaire, et publié en octobre 2013, avait évalué à environ 740 le nombre total de fusillés français pendant la Grande Guerre. Dans le prolongement de ce rapport, M. Kader Arif, secrétaire d'État chargé des anciens combattants, a missionné le service historique de la Défense pour procéder au décompte le plus complet possible du nombre de fusillés non réhabilités, compte tenu de l'état des archives disponibles, et j'y reviendrai. Le 27 octobre 2014, le ministère des Armées a communiqué les résultats suivants, tels qu'issus de ce travail d'examen des archives militaires. 639 personnes ont été fusillés pour désobéissance militaire, 141 pour des faits de droit commun, 126 pour espionnage. En outre, les motifs restent inconnus pour 47 autres cas et 55 personnes ont été exécutées sans jugement, mais sommairement identifiées.
La présente proposition de loi propose la réhabilitation des 639 personnes fusillées pour désobéissance et ne concerne pas les personnes condamnées pour des faits de droit commun ou pour espionnage. Ce fait est important. Contrairement à une idée largement répandue, les mutins de 1917 ne constituent qu'une proportion très faible du nombre de fusillés pour l'exemple. Selon les derniers travaux, seule une trentaine de soldats auraient été ainsi fusillés à la suite des mutineries. Cette distinction essentielle entre fusillés et mutins est rappelée en ces termes par le groupe de travail animé par Antoine Proulx. Je cite « Il importe de distinguer entre fusillés et mutins. La plupart des fusillés l'ont été en 1914 et 1915, tandis que les grandes mutineries de l'armée française ont eu lieu en mai-juin 1917. Parmi les 40 000 à 80 000 mutins, suivant les estimations récentes, une petite trentaine a été fusillée. » Les travaux du général André Bach, ancien directeur du service historique de l'armée de terre, mettent ainsi en exergue que c'est bien au début de la guerre, en 1914 et en 1915, qu'ont eu lieu le plus grand nombre d'exécutions, et non en 1917. Le seul mois d'octobre 1914 représente ainsi à lui seul près de 10% de l'ensemble des exécutions commises à l'encontre des soldats français durant la Première Guerre mondiale. Les fusillés, pour l'exemple, sont des militaires condamnés à mort par un conseil de guerre en vertu des dispositions du Code de justice militaire datant du Second Empire, 1857 exactement, et applicable à l'époque. Les motifs de condamnation à mort, hors crime de droit commun et espionnage, étaient notamment, par ordre décroissant d'exécution prononcé, les suivants. Abandon de poste en présence de l'ennemi, article 213. Refus d'obéissance en présence de l'ennemi, article 218, dont mutilation volontaire. Voie de fait envers un supérieur, article 223. Or, la caractérisation de chacun de ces motifs était d'appréciation fort délicate, comme l'ont montré certains dossiers ayant pu aboutir à une réhabilitation individuelle à la suite de mobilisations de proches. L'appréciation de l'abandon de poste est par exemple rendu particulièrement difficile en raison de la désorganisation des combats liés aux offensives menées en 1914 et 1915. L'histoire du soldat Joseph Gabrielli en témoigne. Simple d'esprit et ne parlant que le corse, il n'avait pas été en mesure de rejoindre sa compagnie après s'être fait soigner d'une blessure en marge d'une offensive. Il fut condamné pour abandon de poste le 14 juin 1915 et fusillé le jour même, avant d'être réhabilité par la Cour spéciale de justice le 4 novembre 1933. L'histoire des fusillés de Vingré est également emblématique de la relativité des accusations d'abandon de poste dans le contexte de brutalisation des combats mis en avant par de nombreux historiens de la Grande Guerre. Plusieurs hommes du 298e régiment se réfugièrent ainsi dans une tranchée après avoir été surpris par une attaque allemande dans leur tranchée de première ligne. Malgré le fait qu'ils regagnent ensuite leur position antérieure sur ordre de leur commandement, 24 d'entre eux furent désignés pour être jugés pour abandon de poste en présence de l'ennemi. 6 sont condamnés à mort et fusillés avant d'être réhabilités par la Cour de cassation le 29 janvier 1921. Comme le souligne le rapport du groupe de travail Proulx, la période de 1914-1915 correspond aussi à celle des offensives d'infanterie les plus meurtrières et les moins bien préparées, donnant lieu à des situations confuses, soldats isolés, désemparés par les combats, obligés de se replier, etc., qui aboutissent à un grand nombre de condamnations dans des conditions sommaires. La qualification de mutilation volontaire, qui constitue un des principaux motifs de condamnation à mort, est aussi particulièrement épineuse, comme l'illustre l'histoire de François-Marie Laurent. Ce soldat du 47e régiment d'infanterie, ne parlant que breton, n'avait pas pu expliquer la blessure qu'il avait reçue à la main gauche. Accusé de mutilation volontaire, il fut condamné et exécuté le 19 octobre 1914. La contre-expertise menée en 1933 conclut à l'absence de preuves du caractère volontaire des mutilations. Le soldat Laurent fut réhabilité en 1933. D'après l'historien Éric Viot, à l'occasion de réhabilitation de fusillés pour mutilation volontaire, le médecin Charles Paul démontra en 1925
que les médecins militaires avaient, à tort, systématiquement appliqué à des blessures par balle à la main ou au bras, auréolées de noir, le caractère de mutilation volontaire. Tenant l'auréole sombre pour la remarque d'une déflagration des gaz de la poudre et donc d'une blessure à bout touchant. Après des examens chimiques et microscopiques, il avait pu prouver dans les dossiers Chauchois et Garceau qu'il s'agissait là non pas de la déflagration des gaz de la poudre, mais de cambouis ou d'impuretés quelconques, comme en présentait souvent sur les doigts les soldats aux tranchées. Répondant aux questions du tribunal en 1925, le médecin récuse qu'il soit possible, médico-légalement, d'affirmer être en présence d'une mutilation volontaire. Enfin, le motif de condamnation pour voie de fait envers un supérieur fut apprécié fort diversement selon la personnalité des commandants, comme le rappelle Éric Viau dans son livre. Selon plusieurs historiens, certaines exécutions ont été directement liées à des règlements de compte. S'il y a lieu, mes chers collègues, de parler de déni de justice, ce n'est pas seulement en raison de l'appréciation délicate et ambivalente des motifs différents de condamnation à mort que je viens d'évoquer. C'est également parce que, à l'époque, ce fut une volonté consciente des autorités politiques et militaires que de fusiller des hommes pour faire des exemples. Les exécutions avaient avant tout un objectif dissuasif à l'égard du reste de la troupe dans le contexte des grandes offensives de 1914 et 1915. Comme le résume un historien spécialiste de cette période, je cite, « Il s'agit moins de punir un coupable que d'empêcher par la sévérité de la répression la contagion d'un mal. » Cette idée, selon laquelle la question de la culpabilité du prévenu est finalement moins importante que l'effet dissuasif de l'exécution, transparaît ainsi des propos du chef de bataillon au sujet du soldat Ernest Ricouard, accusé d'avoir quitté son poste. Je cite « Il n'est certainement qu'à demi responsable, mais en raison des circonstances de l'exemple à faire et en vue d'éviter le retour de fautes semblables, il doit être traduit en conseil de guerre. » En cas de désobéissance collective, le principe d'exemplarité conduit également à tirer au sort ceux qui seront jugés par le conseil de guerre. Si l'objectif de ces exécutions était principalement d'inspirer la crainte parmi les soldats et de prévenir tout mouvement de désobéissance, force est de constater que l'effet de ces exécutions sur le moral des troupes fut jugé suffisamment contre-productif pour que les exécutions ne soient plus considérées comme la solution principale aux désobéissances individuelles ou collectives dès 1916, comme l'illustre la diminution conséquente du nombre de fusillés à compter de cette date, ou encore la faiblesse du nombre d'exécutions consécutives aux mutineries de 1917. Fusillés pour l'exemple, les soldats étaient avant tout victimes de choix arbitraires. La pratique précitée des tirages au sort pour être jugé en conseil de guerre, constitue le paroxysme de l'arbitraire dont ont pu être victimes certains fusillés. Cependant, les facteurs de disparité de traitement entre soldats pour des mêmes faits sont multiples. La première disparité est d'ordre générationnel. Un soldat ayant désobéi en 1918 avait 10 fois moins de risques d'être fusillé qu'un soldat qui avait commis les mêmes faits en 1914. La seconde différence de traitement tient aux différentes pratiques des commandements en fonction des régiments et des divisions. L'historien Éric Viau indique que 30% des condamnations sont concentrées dans 18 divisions sur la centaine que comptait l'armée française à l'époque. Les archives témoignent de l'indulgence de certains chefs militaires quand d'autres ont massivement eu recours au conseil de guerre. Cet arbitraire a été renforcé par le fait que les fusillés ont été soumis à un système judiciaire reconnu comme dysfonctionnel dès 1916. Le fonctionnement de la justice avait fait l'objet d'une profonde refonte dès le début de la guerre, à la suite de l'instauration de l'état de siège le 2 août 1914. Le principe d'une telle réforme était de laisser une grande marge de manœuvre aux autorités militaires, dans un contexte où le contrôle politique était perçu comme un frein à l'efficacité répressive du système judiciaire militaire en temps de guerre. Le caractère expéditif des procédures
et revendiqué par l'institution elle-même comme un gage d'efficacité. Les droits de la défense étaient ainsi inexistants, tout comme les possibilités de recours. En novembre 1914, le général de Villaret, commandant le 7e corps d'armée, réclama que la procédure relative à 24 soldats inculpés d'abandon de poste devant l'ennemi soit expéditive. Je cite, « Il importe que la procédure soit expéditive pour qu'une répression immédiate donne, par des exemples salutaires, l'efficacité à attendre d'une juridiction d'exception. » Le pouvoir politique a endossé une telle négation de l'idée de justice. En reconnaissant que cette justice d'exception n'avait pas tant vocation à punir des coupables qu'à faire des exemples, M. Adolphe Messimi, ministre de la guerre, écrivit ainsi le 20 août 1914 « Il vous appartient de prendre des mesures et de faire des exemples. » Mes chers collègues, j'insiste sur ce point, car il s'agit du cœur de mon argumentaire. Il ne s'agit pas pour nous de juger des faits a posteriori, mais de reconnaître que notre pays a délibérément organisé un déni de justice, les autorités de l'époque le croyant seul à même d'assurer la survie de la nation. Nous devons rappeler qu'il n'en a rien été, comme en ont pris conscience des députés de tous bords qui ont, dès 1915, dénoncé les crimes des cours militaires. C'est grâce à l'action résolue de ces députés que fut votée à l'unanimité, la loi du 27 avril 1916 qui supprima les conseils de guerre spéciaux, réinstaura les recours en révision et en grâce et rétablit les circonstances atténuantes. Il faut cependant attendre le 8 juin 1916 pour que soit mise en œuvre la possibilité de procédure en révision pour les condamnés. Le président Poincaré gracia une majorité des condamnés dès qu'il le put en 1916. C'est grâce à la mobilisation de ses députés, Paul Meunier, député radical socialiste de l'Aude, Paul Joubert, député conservateur de l'Aude, Aristide Jobert, député socialiste de Lyonne, que furent votées les lois d'amnistie de 1919 et 1921 à l'unanimité de la Chambre. Je veux vraiment insister, comme l'ont fait les historiens que j'ai entendus, sur le consensus qui régna après-guerre sur ce sujet qui fut véritablement un combat d'union. Le combat du monde politique et associatif durant l'entre-deux-guerres porta ses fruits. Au niveau législatif, outre les deux lois d'amnistie de 1919 et 1921 précitées, d'importantes dispositions furent votées, là encore, par des députés siégeant de chaque côté de notre hémicycle. La loi du 9 août 1924 permis la réhabilitation de soldats exécutés sans jugement. Une nouvelle loi d'amnistie, votée le 3 janvier 1925, instaura une procédure exceptionnelle devant la Cour de cassation. Enfin, et surtout, la loi du 9 mars 1932 créa une Cour spéciale de justice militaire composée de magistrats et d'anciens combattants ayant compétence pour réviser l'ensemble des jugements rendus par les conseils de guerre. Cette cour spéciale siégea entre 1932 et 1935. Avec la mise en place de ce nouveau cadre juridique, une quarantaine de réhabilitations sont prononcées durant l'entre-deux-guerres, selon le rapport du groupe de travail mené par Antoine Prot. Il fallut pour cela que les proches des condamnés se mobilisent afin que des éléments nouveaux, témoignages notamment, permettent de rouvrir les dossiers. Ce ne fut malheureusement pas le cas pour tous les condamnés. Ces 30 dernières années, plusieurs tentatives de réhabilitation politique ont été entreprises, là encore, j'insiste, par les plus hautes autorités de l'État appartenant à des tendances politiques différentes. Je pense au discours du Premier ministre Lionel Jospin à Craonne en 1998, à l'occasion des commémorations de l'armistice de 1918, ou encore à celui du président de la République Nicolas Sarkozy, 10 ans plus tard, au mémorial de Douaumont. Tous deux ont eu des mots de reconnaissance pour ceux que l'on avait parfois qualifiés à tort de lâches. Je vous propose d'aller collectivement au bout de ce processus. J'en viens maintenant à l'objet précis de cette proposition de loi. Pourquoi, me direz-vous,
proposer une réhabilitation collective de ces malheureux plutôt qu'un examen au cas par cas. Il s'agit, d'après moi, de tenir compte des progrès de la recherche historique. Premièrement, je précise que si le groupe de travail mené par Antoine Prot ne s'est pas prononcé en faveur de la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple, alors même qu'il admettait que la réhabilitation individuelle n'était pas une option, c'était notamment en raison de la problématique inhérente à l'inclusion dans le champ de la réhabilitation des auteurs de crimes de droit commun et d'espionnage, en l'absence notamment de décompte précis de ces derniers parmi les fusillés. Or, les statistiques rendues publiques par le ministère des Armées en octobre 2014 sont précisément de nature à lever cet obstacle épistémologique à la réhabilitation collective, en permettant d'en exclure de façon circonstanciée et objective les auteurs de crimes de droit commun et d'espionnage. C'est bien ce que fait la présente proposition de loi qui ne concerne que les condamnés pour désobéissance militaire. Deuxièmement, il n'appartenait pas à une commission d'historiens de proposer telle ou telle mesure politique de réhabilitation. Les historiens tentent d'établir des faits et de les éclairer. Les juges, eux, se prononcent sur des actes individuels. Précisément, notre problématique est collective et politique au sens le plus noble du terme. Troisièmement, je tiens à souligner que les historiens que j'ai entendus ont tous reconnu que les dossiers d'une partie des fusillés, pour l'exemple, non réhabilités à ce jour, étaient incomplets. Ainsi, M. Éric Viau m'a dit avoir été longtemps partisan d'une réhabilitation au cas par cas, avant de changer d'avis. Il a en effet étudié dans le détail les dossiers de ces condamnés. Il estime qu'il manque environ 20% des dossiers. D'autres sont vides. D'autres, enfin, concernant les mutilations volontaires, auraient d'ores et déjà dû faire l'objet d'une réhabilitation. Pour M. Jean-Yves Le Naour, je le cite, « la réhabilitation juridique est une impasse ». Une difficulté tient au fait que les condamnés l'ont été régulièrement au regard du droit en vigueur à l'époque et qu'aucun nouvel élément ne puisse être produit pour faire valoir a posteriori des circonstances atténuantes. Je vous ai énuméré les raisons d'être de la proposition de loi que je vous soumets. Il ne s'agit pas d'un jugement sur l'histoire. Il ne s'agit pas d'une réhabilitation judiciaire. Il s'agit d'apaiser. Apaiser une mémoire et de reconnaître qu'aucun déni de justice n'a jamais ni ne confortera jamais les forces morales de nos concitoyens. L'article 1er propose donc une réhabilitation générale et collective, mais ciblée, puisque seuls les condamnés pour désobéissance sont visés. Je le redis, les condamnés pour espionnage ou faits de droit commun sont exclus du champ de cette réhabilitation. Cette réhabilitation est civique et morale. Elle reconnaît un déni de justice. Elle permet l'inscription sur les monuments aux morts des communes des noms des intéressés, dont beaucoup y figurent déjà par ailleurs, puisque 2000 conseils municipaux, 31 conseils départementaux ont adopté des vœux exigeant la réhabilitation des fusillés et ont déjà pris l'initiative d'inscrire leur nom sur ces monuments. Enfin, elle ouvre la possibilité, déjà employée par le secrétaire d'État Kader Arif, pour le lieutenant Jean-Julien Chapelan, fusillé sur son brancard, dressé contre un pommier, d'accorder la mention « mort pour la France » à ses soldats. Vous aurez reconnu à l'article 2 les habituelles précautions imposées par l'article 40 de la Constitution. Je vous remercie. Devant la qualité de l'introduction de mon camarade Lachaud, je ne reviendrai pas sur les éléments historiques, à tel point ils étaient précis, et je lui en suis vraiment reconnaissant. Et peut-être que je vais surtout consacrer quelques minutes à essayer, modestement, mais d'apporter mon regard, des réponses sur les arguments avancés par nos collègues qui sont entendables et qui sont l'objet d'une discussion. Oui, ce dont nous parlons, c'est d'un geste législatif d'ordre symbolique et donc politique. Nous ne faisons pas l'histoire, ce sont les historiens qui la font.
et nous n'entendons pas nous substituer à eux. Mais c'est précisément éclairé par eux que nous pouvons, me semble-t-il, aller vers ce nouveau pas législatif. Je m'explique. Le collègue Lachaud a bien rappelé qu'il ne s'agit pas de réhabiliter les 740 fusillés, et j'ai pour ma part, à l'époque, été auditionné par la commission d'Antoine Prou. Et à l'époque, nous n'avions pas cet élément nouveau apporté en octobre 2014, sous l'impulsion de Kader Arif, de pouvoir préciser le propos autour en particulier des 639 de ces fusillés dits pour l'exemple, qui, eux, n'étaient pas de droit commun et ne pouvaient être considérés également comme ayant participé à de l'espionnage. Donc ce sont les historiens et je dirais presque les services historiques de l'armée qui nous donnent ce chiffre de 639. Donc nous pouvons, à partir de là, non pas nous faire l'histoire, mais comme législateurs, considérer qu'après avoir écouté les historiens, nous posons un acte politique qui consiste à dire quoi ? Je vous ai écouté, vous dites tous en gros, certains sont opposés, c'est respectable, mais pour certains, disant des choses fortes, comme la collègue d'En Marche, disant que c'était une parodie de justice, dont acte, parlant des conseils de guerre, parodie de justice. Comme législateurs, nous pouvons, nous aussi, dans ces conditions, poser un acte législatif qui acte que nous ne voulons plus de cette parodie de justice et que nous réhabilitons ceux qui ont été victimes d'une parodie de justice. Ne serait-ce que ça pourrait les justifier que nous légiférions. Mais certains ont dit qu'il faut faire ça au cas par cas. Collègues, parlons-nous franchement. Précisément, 104 ans désormais après la fin de la Première Guerre mondiale, cette opportunité législative est la dernière. Les historiens aussi nous ont dit que 20% d'ores et déjà des dossiers sont terminés, sont disparus. Il n'y aura plus aucune possibilité, parce que les témoins ne sont plus là, d'aller plus loin là-dedans. Donc dire aujourd'hui, on ne peut pas faire une réhabilitation collective, mais il faut travailler au cas par cas, signifie qu'il n'y aura pas de réhabilitation au cas par cas. Et donc jamais rien ne sera fait. Des collègues nous disent qu'il y a peut-être le risque que sur ces 639, il y ait malgré tout certains qui, en quelque sorte, ce qui reste discutable, mais on va dire en fonction du droit de l'époque, méritaient leur sort. Sans doute. Mais il y en a aussi là-dedans qui ne le méritaient pas. Alors que faire ? Au nom du fait que certains peut-être méritaient leur sort, nous ne réhabilitons pas ceux qui ne le méritaient pas ? Je préfère pour ma part réhabiliter quelques coupables et surtout réhabiliter une grande majorité d'innocents qu'au nom du fait qu'il y a quelques coupables, je ne réhabilite pas les innocents. Comme il s'agit d'actes symboliques, c'est la pente sur laquelle je préfère me placer. Enfin, quel est le message que nous voulons envoyer ? Nous sommes tous attachés à notre armée et je pense que la grandeur d'une armée, bien sûr, se fait dans la discipline. Mais la discipline, même la discipline terrible qui est celle du feu, doit passer par le respect des hommes. Et que la grandeur d'une armée, et d'ailleurs je me félicite que les services historiques de nos armées aient participé à ça, tient aussi à ce qu'elle puisse être lucide sur sa propre histoire et être juste. Et comment dirais-je, le sacrifice que nous demandons parfois à nos soldats doit aussi s'accompagner avec la conviction qu'ils ont que même si les ordres sont terribles, ils restent justes. Ce que je veux exprimer par là, c'est que je crois que nous nous honorerions à agir dans ce sens. Et je crois aussi, pour terminer, le collègue républicain disait « ne réouvrons pas des plaies ». Bon sang, nous sommes 102 ans plus tard. Précisément, il n'y a plus de blessures à réouvrir. Tous les protagonistes sont morts. Tous, sans exception. Y compris, je vais vous dire les choses, notre armée, on peut le comprendre, n'était pas longtemps favorable à ce que nous avons là-dedans, car elle ne voulait pas remettre en cause nombre d'officiers qui avaient pris cette décision. Mais tout cela est terminé. Tout cela est terminé. Aucun officier, fût-il à la retraite, ne se sentira visé par ce que nous avons fait. Personne aujourd'hui ne va se sentir blessé. Ou alors je ne comprendrai pas. Ou alors ceux qui se sentiraient blessés seraient ceux qui voulaient volontairement réouvrir des blessures. Et dire que, comme Français, républicains, nous acceptons l'idée que nous avons fusillé 639 personnes, en acceptant l'idée, éclairée par les services historiques des armées, qu'il y avait là des innocents, et nous déchirerions la nation en disant que nous ne l'acceptons pas par adoptant ce texte. Là, je ne comprends pas. Il y a des moments où nous devons faire des actes de fraternité, des actes d'apaisement. Et je dirais, à l'inverse de ce que pensait le collègue, que précisément l'acte d'apaisement pour refermer définitivement une cicatrice, c'est d'adopter ce texte et qu'on en termine. Il y a des associations, certes, ça fait débat parmi les associations mémorielles, mais j'en connais d'autres, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération de la libre pensée, qui continuent encore à agir dans ce sens. Et le collègue Lachaud n'a pas évoqué le courrier poignant qu'il a reçu de la part
d'arrière-petit-fils d'un des soldats qui était, avait été fusillé pour l'exemple et qui serait particulièrement sensible à ce que, si ce texte était adopté, enfin, le nom de son aïeul puisse être rajouté au monument aux morts du village. Bon sang, je crois qu'il y a là quelque chose qui, une fois de plus, nous honorerait. Donc merci, collègue Lachaud, d'avoir présenté ce texte. Il va de soi, et je comprends, c'est respectable d'y réfléchir, c'est difficile. Mais je crois que, pour le dire en mots simples, nous n'insultons personne. Nous ne manquons pas de respect à nos armées. Nous ne manquons pas de respect à nos officiers. Mais nous pensons que, à la différence d'autres armées, ça a été dit, nos collègues anglais, néo-zélandais, canadiens, l'armée française, en particulier en 1914 et en 1915, et je vais dire au nom, en particulier aussi parfois sous la rudesse du général Nivelle, par exemple, lisez les livres d'histoire, nous avons notamment les premières années soumis nos soldats à une rude épreuve. Et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre que devant le nombre de soldats qui tombaient pour gagner quelques mètres et parfois même reculer, certains aient tout simplement voulu que ça cesse. Et que la manière désespérée parfois de l'exprimer, c'était de se blesser dans la main, ou voire même au bout d'un moment, de refuser d'obéir une consigne. Ce que nous disons, c'est que nous ne voulons plus que cela se reproduise, et adopter ce texte, c'est tout simplement tourner cette page historique et mieux se porter vers le futur. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, si en France il ne reste plus de survivants du front de la Première Guerre mondiale, la mémoire qui a été transmise au fil des ans reste intacte. Tous ceux qui vécurent cette période et qui revinrent des combats à jamais changés, à jamais marqués, pour certains à jamais brisés, exprimèrent le souhait de raconter et de témoigner. Témoigner du front, du vécu, des horreurs. Les lourds stigmates de ces combats, notre pays les portera à jamais. Aucune famille ne fut épargnée, une population fut à reconstruire, mais surtout une génération entière fut sacrifiée. Nous avons tous enfoui dans notre mémoire les terribles images de ces pauvres soldats se débattant dans la boue et dans le froid. Dans ce contexte, c'est aujourd'hui d'humanité que nous parlons. L'humanité de ces jeunes hommes engagés dans une guerre, des jeunes hommes à qui nous avions tant demandé, des jeunes hommes qui, par l'usure physique et psychologique, avaient trouvé leurs limites. Pendant les 4 années de conflit, ce sont près de 650 soldats qui sont concernés, qui ont été condamnés à mort pour désobéissance ou mutilation volontaire. Je veux souligner les mots de Lionel Jospin dans son discours de Crosne en 1998, des mots qui firent date sur les fusillés de guerre. Je cite « Certains de ces soldats, épuisés par des attaques condamnées à l'avance, glissant dans une boue trempée de sang, plongés dans un désespoir sans fond, refusèrent d'être des sacrifiés. Que ces soldats, fusillés pour l'exemple, au nom d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égal que la dureté des combats, réintègre aujourd'hui pleinement notre mémoire collective nationale. Des mots repris par les présidents de la République successifs, auxquels il convient aujourd'hui de donner un sens dans la loi. Les actions, certes louables, mais très circonscrites de l'entre-deux-guerres, n'ont permis que de réhabiliter moins d'un fusillé sur 10 et surtout n'ont pas permis d'apaiser les consciences. Il est donc temps, après les déclarations de Lionel Jospin, puis de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, que cette question émerge de nouveau. D'autant plus que l'énorme travail de recherche historique des familles et des associations ne permet que de montrer que ces hommes ont été depuis cette guerre victimes d'un déni de justice. Leur image est déjà réhabilitée dans la conscience collective. Il est donc temps de réparer les injustices qui les ont touchés, de leur permettre de retrouver dignité et reconnaissance. Tous les États belligérants de la Grande Guerre possédaient des dispositifs de justice militaire qui ont prononcé des condamnations à mort. La plupart des États qui furent nos alliés ont avancé sur cette question au fil des années. Ainsi, la Grande-Bretagne a procédé en 2006 à une réhabilitation générale de nature législative. Elle suivait en ce sens la Nouvelle-Zélande qui a réhabilité ses fusillés pour l'exemple en 2001 et dans une moindre mesure le Canada qui les a honorés en 2000. Dans ce sens, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui constitue une réelle évolution en ce qu'elle propose la réhabilitation générale et collective, civique et morale de ces hommes. Nous savons en effet à quel point une réhabilitation au cas par cas, après de 100 ans plus tard, serait impossible. Plus particulièrement, et cela a son importance, cette proposition de loi concerne une réhabilitation de ceux condamnés pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire. Alors que François Hollande avait fait un pas pour la mémoire de ces hommes en demandant que la question des fusillés, pour l'exemple, fasse l'objet d'un traitement pédagogique au sein du musée de l'armée des Invalides, cette proposition de loi englobe également un point que nous voulons souligner en demandant que les noms de ces hommes figurent sur les monuments aux morts des municipalités. Élément ô combien important pour la transmission et le devoir.
La reconnaissance et la dignité sont donc au centre de cette PPL et il est temps que la France puisse le faire. Pour toutes ces raisons et pour faire avancer l'histoire, vous aurez compris que le groupe socialiste votera pour. Mes chers collègues et monsieur le rapporteur, je tiens d'abord à remercier monsieur le rapporteur Bastien Lachaud d'avoir mis à l'ordre du jour avec l'opportunité de la France insoumise une proposition de loi visant à réhabiliter les fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale. Mais un hommage doit être rendu à tous les infatigables militants de la paix qui œuvrent année après année et depuis près de 100 ans à faire avancer cette cause. J'ai eu l'honneur de rencontrer beaucoup de ceux de ces associations et de ces mouvements le 6 avril 2019. J'étais en compagnie d'ailleurs du gouvernalicis à Chauny à l'inauguration d'une magnifique sculpture en hommage à ces fusillés. Ce sujet est un sujet de fond. Il tient à cœur aux députés communistes qui ont beaucoup œuvré pour faire émerger au Parlement ce sujet. Dès 2012, mes collègues avaient déposé la proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre 14-18 et qui a été examinée lors de la niche parlementaire du groupe GDR le 26 mai 2016, vous l'avez dit, Madame la Présidente et les autres collègues, en séance publique. C'était mon collègue Jean-Jacques Candelier qui était alors à votre place. À l'époque, c'était la majorité du groupe Parti Socialiste, les radicaux de gauche, mais également les élus de droite et du centre qui avaient voté contre ce texte. Aujourd'hui, le groupe socialiste soutient la proposition qui est faite et c'est une marque de la nécessaire évolution que propose ce texte et la manière dont il est présenté. Mais comme Jean-Jacques Candelier l'avait rappelé à l'époque, la question des fusillés pour l'exemple résonnait dans l'hémicycle de l'Assemblée déjà en 1916, notamment avec l'un de nos brillants prédécesseurs, Paul Meunier, qui avait intimé à l'exécutif d'en finir avec ses conseils de guerre spéciaux qui ont été responsables de tant d'exécutions injustes. Cet avocat et député a été défenseur acharné des droits des soldats français lors de la Première Guerre mondiale, notamment avec une loi qui a été défendue dès 1916. Cet homme politique a également été, et je suis Avray, en 1910, l'avocat de l'illustre docker Avray Jules Durand, que Jaurès considérait comme le Dreyfus de la classe ouvrière. Ce parallèle, je fais ce parallèle entre Jules Durand et les fusillés pour l'exemple défendu par M. Meunier, parce que beaucoup de ces 639 fusillés étaient, mais c'était l'époque aussi qui voulait ça, étaient ouvriers et paysans. Et c'est cela aussi ce sujet de fond. Il s'agit de réhabiliter des ouvriers, des paysans, des gens méprisés, parfois par une classe dirigeante et qui se battaient pour des objectifs qui les dépassaient souvent, notamment celui de flatter l'ego de leurs généraux et de leurs maréchaux. Ces êtres humains qui ont refusé de repartir au combat comme d'autres êtres humains qui ont reculé ou qui ne sont pas sortis des tranchées parce qu'ils ne comprenaient pas ou ils ne comprenaient plus le sens de ces assauts, aussi inutiles que mortels, doivent être restaurés dans leur dignité. Tous ces gens avaient des raisons de ne pas aller au combat et rien ne peut justifier le châtiment mortel qui leur a été infligé. Entre 1914 et 1918, il y a eu 2500 condamnés à mort dans les conseils de guerre et 639 furent fusillés sur le front, parfois même choisis au hasard et exécutés pour l'exemple comme meneurs sans autre forme de procès. De ces 639, seule une quarantaine ont été réhabilités, principalement dès les années 20 et 30. Et aujourd'hui, nous devons enfin aller plus loin. Depuis deux décennies, ce sujet revient au plus haut niveau de l'État avec les hommages, vous l'avez dit, mes chers collègues, rendus en 1998 par Lionel Jospin, puis par Nicolas Sarkozy en 2008, puis par François Hollande en 2013. Il est grand temps de passer au concret. Cela dit, en rupture avec ses prédécesseurs, l'accueil du président de la République n'a jamais l'actuel président de la République n'a jamais évoqué ce sujet. Lors de, je qualifie très pompeuse, itinérance mémorielle dans les Hauts-de-France en 2018, à l'occasion du centenaire de l'armistice de novembre 1918, il avait soigneusement évité cette question qui était pourtant interpellée. Pourquoi ? D'aucuns refusent de réhabiliter collectivement ces fusillés sous prétexte que peut-être que certains eurent des motifs antipatriotiques et ont peur de réhabiliter par erreur certains soldats. Disons-le clairement, c'est une diversion. Car personne ne mérite la peine de mort, et aujourd'hui nous en sommes tous convaincus, pas même ceux qui auraient pu être coupables de faute. Ces fusillés méritent donc collectivement la reconnaissance de notre nation pour avoir tenté de survivre dans cette horreur, au même titre que tous leurs camarades ayant participé à la Grande Guerre. Il faut impérativement avancer vers cette réhabilitation collective afin d'en finir avec ce sujet qui maltraite la mémoire
de ces ouvriers, de ces paysans que l'on a envoyés au front dans des conditions totalement inhumaines. Et je partage la conclusion de mon collègue de la France Insoumise qui dit, voilà, à un moment donné, il faut de la fraternité. À un moment donné, il faut clore ce dossier. Et c'est justement pas en restant dans la situation actuelle que l'on refermera cette période de notre histoire. Mais c'est justement, et c'est le rôle du Parlement, une fois que l'exécutif s'est prononcé avec les mots que les uns et les autres ont utilisés, c'est peut-être au rôle du Parlement et c'est peut-être aux députés de proposer et d'accompagner par leur vote ce geste fraternel pour refermer cette page d'histoire et permettre aussi de la présenter partout comme il le faut, sans nier les faits, sans nier la réalité. Mais cette page d'histoire, c'est aussi ce que l'on transmet aux générations à venir et il nous semble important de la porter ainsi. Merci en tout cas au groupe qui l'a à nouveau mis à l'ordre du jour. Je vais faire une réponse globale plutôt que de répondre personne par personne. Alors, déjà, je voudrais rappeler, le débat que nous voyons ne l'a pas montré, que la position que je porte était une position faisait l'union très largement sur tous les bancs de l'Assemblée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui, d'une certaine manière, a fait passer ce combat à l'arrière-plan. Et quand il a repris, il y a quelques décennies maintenant, eh bien, on le voit, des lignes de fracture se sont fait jour, qui n'existaient pas à l'époque et qui n'existaient pas non plus dans le monde combattant, et j'y reviendrai. Je vais juste relever quelques incompréhensions qui ont pu avoir lieu dans vos différentes interpellations et interventions. Tout d'abord, certains ont dit qu'il n'y avait pas de différence avec les propositions de loi précédentes. Je tiens quand même à rappeler que dans cette proposition de loi, la grande différence, c'est l'exclusion des condamnés de droit commun et pour espionnage. Et que cette proposition de loi, pour la première fois, cible les 639 personnes qui ont été condamnées pour des faits militaires, selon le ministère de la Défense à l'époque, lui-même. Il y a donc là une vraie différence avec toutes les propositions de loi qui ont pu être proposées jusqu'à maintenant, justement grâce aux travaux des historiens. Je rappellerai que ceux qui ont été fusillés en 14 et en 15 n'étaient pas des mutins. Les mutineries, c'est 1917. Je rappellerai, et Madame Bureau-Bonnard l'a dit, le lieutenant Chaplan n'a pas pu être réhabilité, y compris par l'exécutif. Ils n'ont pu, Kader Arif, en l'espèce, le secrétaire d'État aux anciens combattants, n'a pu que le déclarer mort pour la France parce que, en effet, cela est du domaine réglementaire. Mais la réhabilitation n'était-elle pas juste dans ce cas-là? Et si la réhabilitation était juste pour ce cas, pourquoi pas pour les autres? Monsieur Thiriot ne souhaite pas que le nom de traître apparaisse sur les monuments. De personnes justement condamnées apparaissent sur les monuments aux morts. Mais comptons le nombre de communes qui, indistinctement, ont déjà inscrit les noms des fusillés, pour l'exemple, sur leurs monuments aux morts. Combien l'ont été justement sur ceux qui ont été inscrits? Combien ne l'ont pas été justement? Nul ne le sait. Ces noms sont déjà sur les monuments aux morts. Pourquoi sur certains monuments dans certaines communes et pas sur tous? Une injustice de plus qui s'ajoute à l'injustice vécue à l'époque. Ce qui est certain, quels que soient les actes qu'ils ont commis, tous, sans exception, ont été victimes d'une procédure inique et arbitraire. Tous. Pas d'instruction contradictoire, pas d'avocat professionnel, pas de circonstances atténuantes, aucun droit à un recours, aucun droit de grâce. Ces simples faits-là justifieraient la réhabilitation collective.
Le fait d'avoir été victime d'une justice inique et arbitraire mérite le fait d'une réhabilitation collective, car aucun de ces jugements ne peut être considéré comme valide. Les plaies, malheureusement, sont encore vives, et ce n'est pas cette proposition de loi qui les rouvre. Ce combat pour la réhabilitation mobilise, et il faut le saluer, de nombreuses associations. La Fédération nationale de la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme et d'autres. Le collègue Corbière citait le message que j'ai reçu d'un descendant de ces fusillés. Donc, les plaies existent, elles sont là, et il faut les fermer. Et pour les fermer, il faut réhabiliter. Il faut réhabiliter. Alors oui, on est 104 ans après la fin de ce terrible conflit, mais il n'y a pas de juste moment pour dénoncer une injustice. Il faut le faire quand nous avons l'opportunité de le faire. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de le faire. Aujourd'hui, il est impossible de savoir s'ils ont failli. Il est impossible de le savoir. Il y a forcément des héros parmi eux. Et comme je le disais, qui peut dire qu'un poilu n'était pas un héros? Au fond, d'une certaine manière, je remercie évidemment les orateurs qui se sont prononcés pour l'adoption de ce texte, mais pour les autres. D'une certaine manière, c'est vous qui choisissez qu'il vaut mieux flétrir le nom d'homme injustement condamné que de risquer d'honorer des coupables de désobéissance dans l'horreur des tranchées. Ce faisant, c'est vous qui appliquez un regard d'aujourd'hui aux événements d'hier. Et je voudrais vous citer les propos du brancardier musicien Leleu du 102e régiment d'infanterie. Je le cite. « Je me suis laissé dire qu'après la guerre, des fusillés avaient été considérés comme morts pour la France, ce qui serait une sorte de réhabilitation. Je ne sais si cela est exact, mais quant à moi, je crois sincèrement que beaucoup de ces malheureux sont effectivement morts pour le pays, car c'est la France qui les a appelés, et c'est pour elle qu'ils se sont battus, qu'ils ont souffert là où les menait leur tragique destinée, et ce n'est pas un moment de défaillance physique ou morale qui peut effacer leur sacrifice. J'ose m'incliner devant leur mémoire, jugera qui voudra, à condition qu'il soit passé par là. Et je n'aurais jamais osé comparer les combats de 1914 et les OPEX d'aujourd'hui, quelle que soit la valeur des soldats d'aujourd'hui. Car nul, je le pense, ne peut aujourd'hui, en conscience, connaître l'existence des poilus et l'horreur des tranchées. Je me perds. Oui. Ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est qu'une publicité a été faite sur ces exécutions. Une publicité qui visait au déshonneur et à l'opprobre, qui visait le soldat, mais qui visait également les familles. Je vais citer un passage du rapport d'Antoine Pro. Dans la société d'interconnaissance des villages et des faubourgs, on savait que le fils un tel avait été fusillé et la réputation de toute la famille en était entachée comme s'il avait tué quelqu'un. Certains faisaient honte de leur père aux enfants des fusillés dans la cour des écoles. Leurs parents, leurs femmes, leurs frères et sœurs se sentaient montrés du doigt. La famille tout entière ressentait l'opprobre. Ma grand-mère a subi toute sa vie les sarcasmes et l'opprobre de nombreuses personnes et n'a jamais bénéficié de pension, élevant seule et difficilement sa fille, ma mère. » Écrit le petit-fils d'un soldat probablement fusillé. Voilà aussi pour l'honneur de ces familles qu'il est nécessaire de réhabiliter. Et enfin, je conclurai en reprenant la citation du député Aristide Jobert qui s'exclame en juin 1917 à la Chambre dans un débat sur le chemin des dames, et je le cite, « En présence des faits criminels commis par des généraux, la faute de ces soldats devient excusable, sinon inévitable. » Quels sont les coupables? On en a fusillé, et je trouve cela épouvantable. On en a fusillé peu, mais c'est encore trop. N'y en eût-il qu'un, ce serait trop.
Messieurs, ces coupables, qui sont des victimes, ont droit à la justice et nous devons nous opposer à ce qu'aucune exécution de ce genre soit désormais consommée. Il est déjà trop tard. Je vous demande, monsieur le ministre de la Guerre, de vous montrer juste. Dans l'ordre du jour que mes amis et moi déposerons, nous demanderons une amnistie pleine et entière pour ces faits. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous demande, comme en 1917, d'être juste dans votre vote.